parce que ça n'est même pas une année au bal avec tu kokufa tant on se le bat à confiter na ba 13 heures sans monsieur panzani qui a confité à sécu c'est que aux autres appuyer hypothèse on a qu'à confiter à sécu na ouais ça les religieux ce sont des escrocs professionnels ils n'ont pas honte ils n'ont pas pitié des gens ils ne sympathisent pas avec les gens. Ils sont contents quand tu le vois pauvre. Chers amis téléspectateurs, vous êtes branchés connectés à www.congodialogue. Avec moi, je suis Bolois. Ça, c'est l'émission Espace Dialogue, là la réflexion et la connaissance. À suivre, nous allons parler sur l'implication de la France, l'Angola, n'est-ce pas, Kigali, n'est-ce pas, pour la médiation aux élections venant, s'il y aura lieu, j'ai bien dit s'il y aura lieu, le 23 décembre de cette année 2018. Alors, Richard Brancy, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Beaucoup, mais l'habitude, tout en a, moi, Namboka, président, Kilele, Djemadari, Oyazope, Sapé, Réflexion, n'est-ce pas? Vous êtes branché connecté dans www.congodialogue.com dans votre émission Espace Dialogue avec moi, José Bolois, l'international. Mais si, président, il y a un qui est un aspect, il y a politique, il y a interview, il y a un peu tant que vous avez dit, non, il y a un peu de temps, et pourtant, ma commis est sans tout le monde, il y a un peu de omniprésent, il y a partout, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps, président. Et donc, on a eu bien Zali omniprésent, Zamo Pepe, Moi, Mpe Sanza. Ce qui, Bilo Konande, Zakabanzambe, ça va. Mais, le reste, Bazoulo, Zali omniprésent, Zali philosophie à intimidation. Et je rejette philosophie à intimidation parce que Zali. Human rights abuse, c'est-à-dire abus, il y a droit de l'homme ou le droit de la personne. Parce que comment Dieu peut être présent, peut être omniprésent partout? Donc moi je suis dans ma chambre en train de faire mon sexe avec ma femme. Dieu est là, soit il est debout derrière mon lit ou il est au plafond ou il est je ne sais où, il est sur la chaise en train de voir ce que je suis en train de faire. C'est ça Dieu, c'est ça son rôle. D'être un agent de la CIA pour venir violer la vie privée des gens. C'est ça, ça signifie l'omniprésence. Je pense que si Dieu doit être omniprésent, c'est quelqu'un qui viole les domiciles des gens. Et nous devons tout faire de lui barrer la route pour qu'il n'entre pas dans nos maisons. Sera omniprésent. Oui. Parce qu'en faisant, il faut ça signifie babuku ya nzambe, ba prière ya nzambe. Nyoso, il faut que boka yango parce que peut-être zangana kati ba papier wana. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut s'inviter chez moi sans que moi je l'invite. Qu'est-ce que Dieu peut venir faire dans ma vie? Il attend quoi? Quand les Congolais sont en train de mourir tous les jours. Biso a Congolais tout ça là enine. Que biso il faut depuis Congo zali Congo. Biso ne bakata biso maboko. Biso ne tout souffraka. Et entre temps il attend de nous des prières glorieuses. S'il est présent, mais qu'il apporte la solution à nos problèmes. Le fait qu'il n'y a pas de solution, ça signifie qu'il n'existe pas. Ce Dieu là, il n'existe pas et c'est nous qui existons et qui devons nous battre comme les autres. Nous devons nous emparer du secret de la science et de la technologie. Et non pas prier, prier. Barone bazo kuyana machete. Yo, non, ça vous. Maman, Zambi nangema. C'est quoi ça, cette histoire? Yo, connaissez Nzambi lingi rwandete. Mais Rwanda azokoya, c'est la loi de la jungle. Tu manges ou on te mange. C'est ça la vie. C'est la loi de la jungle. Tu manges ou on te mange. Et nous, nous voulons, en priant, nous nous préparons à être mangés. Et c'est ce qui se produit. On nous mange dans la RDC. C'est ce qui se produit. Nous sommes en train de prier pour qu'on nous mange. Nous nous préparons comme un repas copieux pour que les ennemis nous mangent. Et ils sont en train de nous manger à cause de la prière.
Maman, Nzambe na biso ya, Nzambe bengane na biso kabila, Nzambe nda kopengana kabila. Il faut tous ces ma kamba pre, bon longwa na beglise. Bon fana la bandako na bino, bon luka, komwa bon lia. Bon mela, bon lata, bon tonga bandako, bon kene ba vacances, koke na beglise te. Bon la moka, 58 ans après l'indépendance, depuis 1485 Diego Kao ailleurs 5-6 siècles tout la mukate buzoba comment hérédité na kati ya makila pe na kati ya bongo Yesu nzambe c'est quoi président yango goza la sujet na biso ya suka to topic to question na biso ya suka 58 ans avant après indépendance ya Congo votre réaction toza puis peut-être zokina pour nous répondre bien sûrement mukuse mais na lingo pe sa pe réflexion na yo vos pensées par rapport à l'implication ya France pour la médiation na niveau ya élection parce que le bas déjà élection est à la montée donc ça c'est la vie je vous informe déjà que pour un président au banda déjà que le bas bien avant qu'il y aura pas des élections pour des raisons ABCD. Alors, quoi que ça l'appelle moi récapitulation, pourquoi il n'y aura pas des élections? Surtout dans l'Iro Tozo Kende, selon le calendrier électoral, je crois qu'on a concours, il y a télé, il y a régie, bah, qu'on balance bisso, moi, spot, moi, bah, ça l'est pas dans le calendrier. Mais, n'est-ce Tozo Kende, l'élé, parce que Kalami était juillet, et Rosala, ils aussi, bah, déjà, t'es. Parce qu'il fallait récupérer Salama, tout ça, et Salama, mais Salama, t'es. Implication, il y a Rwanda. Implication, il y a Angola, et puis implication, à France, dans RDC. Pour n'ayons mon idée, il n'y a qu'un naïf qui peut croire dans la négociation et à France. France est le pays qui a crédible. Son passage à travers ses anciennes colonies est décrié par son hypocrisie et son manque d'humanisme. La France est en train de piller toutes ces anciennes colonies à travers France FA l'imposition et le maintien des dictateurs au pouvoir. La France s'est prouvé que Azra qui est impliqué dans Makamboya génocide la Rwanda c'est connu bien que je n'aime pas Kagame mais quelque part s'est prouvé parce que la France avait entraîné et donné des équipements au pouvoir, au régime déchu. Oui. Nous ne devons pas croire la négociation avec les Français. Ni les Angolais. Ni les Rwandais. Il n'y a pas longtemps, Kagame a été reçu en triomphe sur le perron des Champs-Élysées. Il est allé et il a été accueilli en roi. Parce qu'il est le fournisseur, les conduits à travers lesquels tous les minéraux, toutes les richesses du Congo passent et qui, à Zokope Sayango, n'a pas industrie de ce monde, qui sont surtout dans l'électronique. Bongo yo kanisi lelo, quelqu'un qui leur fournit des matières à bas prix. Parce que Bazoko évite que s'il y a un régime responsable au Congo, Oyo est fixé par prix selon les prix dans le marché d'échange à Méton à Londres. Ils ne sont pas capables de payer ça. Ils aimeraient soit y mettre un dictateur comme Kanambe qui est là-bas, Bazoko te que la Bangoua à bas prix, ou quelqu'un qui vient piller et qui vend ça à bas prix. Donc, la France, d'abord, c'est un pays prostitué. Sur quelle base? Bazénine. Bayebi très bien, la français, que Kagame n'est Azali responsable du génocide. Bayebi Ango. Que Kagame a tué ses frères pour accéder au pouvoir. Combien de mandats d'arrêt que le juge Nabango, Basi Batinda, contre Kagame? Ce juge détient toute la vérité. Comme bah, tu as la plupart du monde, bah, détenu Ango. Bayebi, les Français, que l'équipage du Falcon 50 dans lequel les deux présidents étaient tués,
Ce sont des Français. Comment est-ce que nous coopérons dans mon tournée de Kagame, mon tournée de Bomi, dans mon tournée? En fait, cela veut dire que là où il y a des intérêts, il n'y a pas de sanctions. Comme on le dit. Donc pour eux, Balingi Babusana, mais moi, je ne sais pas si je suis Balingi va se blanchir. Il y a un génocide. Va continuer à coopérer avec Kagame. Parce que Kagame a coupé sa bango, accès facile à la richesse y a Congo. Donc, nous devons être prudents. Tout croire que la France a zakoya ko libérer Bissou. Nous ne devons pas croire à ça. Tout croire peut-être que Angola a zakoya ko libérer Bissou. L'Angola n'a pas oublié, quand bien même que celui qui est président là-bas, c'est un enfant d'un ex-Katangais. Et nous, les Congolais, nous pensons que c'est un Congolais, il va nous aider. L'Angola n'a pas oublié l'aide que Mobutu donnait au combattant Jonas Savimbi. Bien que Zalaki Panda, la guerre froide, toutes les armes que l'Amérique envoyait à Savimbi passaient par le Congo. Nous connaissons, par les Zaïres de l'époque, et étaient acheminées. Nanani na et pas Savimbi, na capitaine na Jamba, mais nous savons que ce ne sont pas les nouvelles armes. Nous connaissons ça, ça c'est une autre page. Ce ne sont pas les nouvelles armes qui allaient chez Savimbi. La plupart des armes que l'Amérique envoyait, les militaires congolais basés au Congo, na kati ya ba conteneur bâti ba armes ya Zaïre Zalaki wana bâti neli ya biso. Ce sont les mêmes armes que les FPR, il y a Rwanda, bah utilisent qui contribuent. Et ce sont les Mobutistes qui avaient vendu ces armes, qui vendaient ces armes aux Rwandais pour venir nous attaquer. Ils faisaient de l'argent. Nous connaissons comment ça se passait. Et ce sont ces gens-là, je ne vais pas citer leur nom, nous connaissons tous ces généraux et tous ces gens de services spécialisés d'intelligence du Zaïre à l'époque. Qui faisait ça? Parce qu'on a armé au bâtiment de Savimbi. Bâtiment de l'arme, il y a des kala. Il y a des kala. Soit chez le combattant mozambicain, soit chez le combattant rwandais, qui sont venus déboulonner le président Habyarimana. Nous connaissons. Alors, croire que l'Angola, le Rwanda et la France, ils ont libéré les je doute fort. Vous savez, dans ma tribu, dans ma langue, il y a un proverbe. Hein? Je vais le citer. On dit ceci chez nous, en Kilega. Wa kogele ntetu kinsulu. Ça signifie celui qui va te sauver des noyades n'attend pas se déshabiller pour se plonger dans l'eau. Tu vois ça? Quand tu es chez toi, par exemple, tu as une piscine, tu regardes gauche-droite, où est mon enfant? Tu vois l'enfant en train de boire des globules d'eau et tu es à la rive. Tu ne vas pas dire non, d'abord que je m'enlève les chaussures, que je me déshabille d'abord, j'enlève la cravate pour me plonger dans l'eau et aller à la rescousse de l'enfant. Tu vas te jeter immédiatement, sans avertir, sans autre forme de préparation. Alors, si la France veut se blanchir de connivence avec l'Angola pour venir à la rescousse du Congo, mais il ne doit pas passer par le Rwanda. Le Rwanda, c'est quoi? La France, c'est une quatrième puissance, une grande puissance. Ils ne doivent pas attendre les dialogues. Les dialogues? Ils ne doivent pas attendre les dialogues. Ils devaient venir bombarder comme ils l'ont fait en Libye. Il devait passer par l'ONU, par les services du Conseil de sécurité, pour approuver l'attaque contre un dictateur qu'ils disent dictateur. Mais je ne pense pas que Kabila est dictateur, parce que ce sont eux qui le poussent à faire ce qu'il fait. Kabila n'est pas venu au pays, Kanembe n'est pas venu au pays par lui-même. Est-ce qu'il y a Yabaki Congo? Est-ce qu'il y a Yabi pouvoir? Est-ce qu'il y a Yabi politique? C'est quelqu'un qu'on a pris, placé, on lui a donné un agenda.
tu fais ceci, ceci, ceci et cela. Batouana, baza bazoba, baza bayuma, il faut offrir la église mingi. Ce que je veux dire, c'est que il faut boma. Il faut piller les pays, envoyez-nous. De... Et c'est ce que Kanambe a fait, à Zouaka Benstruction à l'épanane. Mais ce sont les Occidentaux. Donc, Azali est dictateur, Azali marionnette, un pion utilisé. C'est ce qu'il est. Et malheureusement, il ne sait pas lire l'histoire. Sa fin sera désastreuse, comme la fin d'autres dictateurs. Mobutu, qui s'était donné le nom de Seseko. Mobutu, l'éternel. Santa Tomotombe. Yeah, Santa Tomotombele. Milele na milele. Mobutu. À cause des accords qu'il avait signé avec les Américains et le monde occidental, que non, Ezalika Kayonde, que le président a vu. Mais il a vu en dernière minute le même prostitué de Babylone, les Occidentaux, se sont détournés contre lui. Et ils ont dit, ils ont envoyé l'ambassadeur Richardson pour lui présenter une lettre, pour lui dire on n'a plus besoin de tes services. Et si tu oses résister, nous ne voulons pas que ton corps soit traîné dans les rues de la capitale de Kinshasa. Il est temps que tu fasses tes valises et que tu partes. Ça nous renseigne et ça nous apprend que nous n'avons pas de président. Et ça, c'est Moussala, les Occidentaux. Et ça, c'est Moussala, les Boy. Ceux qui ont des valises, ils ont des valises. Comme le petit Rwandais ici qu'on appelle Raïs. Oh, Ati Mande Funet Mutualiboma. Attends, Raïs. Raïs. Il y a le qui Mobutu Seseko. Mobutu l'éternel. Il y a le qui est. On ne lui dit pas comment Mobutu est mort misérablement. Nabambongo n'y a pas tika, n'y a pas confisqué, moi c'est n'a qu'il y a. Il y a le qui Saddam Hussein. Moutou appelle ça américain, pétrole n'y a pas. Mais on a pendu comme un chien. Il y a Aleki, Mouammar Kadhafi, la plupart des ingénieurs qui travaillaient dans la raffinerie pétrolière à Libye, c'était des Américains qui gagnaient leur salaire mieux qu'au pays. Donc il avait embauché une part des citoyens américains. Mais malgré ça, mais on a massacré. Il y a Aleki Charles Taylor, qui se faisait appeler The American Boy. Kokata, ba concitoyens, ba compatriotes, ne maboko, soko mimi, sac à diamate, ba katio maboko. À la fin, on l'a ramassé. Il croupit là. Donc, Kaname, c'est un fou, c'est un idiot, qui ne comprend rien, et qui va finir mal. Il a fait son travail pendant ses 21 ans. Ces gens-là sont comme des citrons. On coupe. On presse les jus, la peau et le reste, on jette parce qu'on a déjà pris les jus. C'est comme ça que l'Occident fait avec des dictateurs. Et lui ne va pas échapper à cette logique. Il ne va pas échapper. Donc, je disais donc que l'Angola n'a pas oublié le mal du Congo, du Zaïre, dans son pays, avec la guerre de 29 ans que Jonas Savimbi avait mené contre les MPLA et détruire la jeunesse, les habitants de l'Angola. Alors, si l'Angola peut venir, quelque part c'est pour se venger, parce que ils allaient d'abord Lokuta, parce que Laurent Désiré Kabila, qui l'avait aidé pendant un moment au Congo, mais ce sont les Angolais. Lors de l'affrontement de Kenge, Afdel Baye, na armée angolaise de Kenge, c'est lui. Yemoko Hippolyte Kadjambe Kanambe. Azakasara qu'à tout moment, taxi aérien, l'air à Savimbi, et il y a Dos Santos. Akendeke, à tout moment, et pas Dos Santos, Yaya, papa, Koutoum Sangate, exploiter Kayemba. Exploiter Bamine, Ozoa, Bamine, Badiamane, sa Kayemba. Exploiter nani pétrole nyoso ya Kabinda, pétrole nyoso ya Mwanda, ya banana, exploiter tikanga kimia. Mais c'est ce qu'il faisait. Donc ceux qui ont gardé Kabila, les soins de Kabila, les fake Kabila au pays, ce sont les
Ce sont les Angolais et les Zimbabwéens. Donc, ce sont des complices. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 ans, la PDG de la société Areva de France. Areva, c'est le tout puissant, la toute puissante société mondiale du nucléaire. Il n'y a pas longtemps que Ayaka a signé un accord dans le gouvernement il y a Kanambe, il a visité la mine d'uranium partout na Katanga. On ne sait pas s'ils avaient signé un contrat de 10 ans, de 20 ans ou de l'éternité grâce à Moïse Katumbi, grâce à Kanambe. Et vous croyez que c'est aujourd'hui que la France va s'enlever le fromage dans sa bouche que Kanambe lui a donné? C'est une distraction. Donc la France n'est pas pour nous, Kagame n'est pas pour nous et l'Angola n'est pas pour nous. Aujourd'hui, au côté là, nani Kagame, bah discours azo ko pesa ces derniers temps, comme le discours moko testamentaire. Ils ont le testament azo ko tika que aibike alingia sila. Ça ne provient pas seulement de la France, c'est de la communauté internationale parce qu'on sait que c'est un meurtrier. On sait que c'est lui qui est responsable du génocide. On sait ça et les dossiers ne sont pas pourris au niveau international et dans des tribunaux. Et si qu'il est le devient président de la République, la première chose, c'est d'amener les Rwandais au tribunal international pour des compensations, pour des réparations. Je ne ferai pas la blague qu'on est en train de faire. L'Allemagne a payé pendant 80 ans et continue à payer la compensation aux Juifs. L'ère Jäger de 40-45 au cours de laquelle on a massacré les Juifs. Et heureusement que ce sont les Juifs, enfin les Juifs se sont défendus pour réclamer ces compensations. Mais aussi, ce n'était pas les Juifs seuls qui étaient tués par Hitler. Il y avait les hippies, il y avait les Roms, les gens, les nomades qu'on avait tués. Il y avait des Noirs qu'on avait aussi tué, mais n'ayant pas de gens pour les défendre, on ne parle que de massacre des Juifs. Les Noirs n'ont pas réclamé la compensation et d'autres populations, mais les Juifs ont été forts. L'Allemagne a continué à payer la réparation du peuple juif. Les hommes de droit au Congo, je vous promets qu'il y a du boulot pour vous tous. Au lieu de passer votre temps à vous taper la poitrine, maître, Boussala Kenokomogote, mobilisez-vous, car le changement est plus près. Mobilisez-vous pour compiler un dossier costaud contre le Rwanda, l'Ouganda, Burundi ou tout autre pays qui se serait impliqué dans le pillage, le massacre et l'humiliation du peuple congolais. Le Rwanda doit payer tout ce qu'il nous a fait. Et vous, les hommes de droit, les juristes, vous devez lever la barre très haut pour que nous puissions punir le Rwanda comme les Juifs, les Américains et le monde occidental avaient puni l'Allemagne. À l'époque, la France a continué à exploiter la mine d'huile de Sûre dans la frontière pendant une vingtaine d'années pour réparer, pour payer la réparation des dommages que l'Allemagne avait causés en Amérique, en France. Si les Occidentaux pouvaient faire ça chez eux, pourquoi pas nous, Bino Bogardaga, Bogardaga, calme, aux ans de diplôme, c'est pour aller te représenter ces mots au tribunal, non, ma camba parcelle, non, ma camba divorce, oh, ma église des Okoswana, oh, et Dingo et Namukuna. Ça, ce sont des histoires, Pamba. Et Dingo et Mukuna, ça qui est 2 000 $. Et vous allez vous présenter avocat. Il y a des dossiers du pays que vous devez compiler. Et déjà, l'enquête du mapping, du dossier de plus de 600 pages, qui répertorie le massacre, le pillage du Congo. Le mapping déjà ici est débino pour la cause à quelque enquête ou que les organisations de droits de l'homme et d'autres enquêteurs basaraki pour amener ça à la soi-disant cour internationale qui n'est qu'une cour contre les Noirs.
Vous devez vous préparer pour ça. Et quand moi, qui rêve de prendre ce pouvoir, et j'ambitionne de le faire, ce qui gagne à ce pouvoir, le Rwanda va chier du sang. Oui. Branchez connecté dans www.congodialo.com, site de bonne manière que coordonne Francine Ngembe. On s'étend presque vers la fin de notre interview d'aujourd'hui, mais avant d'être cheaté, j'aimerais avoir aussi la réflexion du président Kilele ici en Afrique du Sud en ce mois de juin ici, parce que d'ici là, dans quelques jours, nous aurons, s'il faut appeler ça célébrer, mais c'est le président, l'indépendance de la RDC, s'il faut célébrer cela, 58 ans depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui 2018. Juste un petit mot, est-ce que la RDC pourrait-il célébrer, utilisons le terme célébrer, l'indépendance? Est-ce que nous sommes réellement indépendants depuis 1960?